Il est actuellement 11h30 du matin et je ne suis absolument pas réveillée. Je pense que ça se voit à la tête que j'ai actuellement et j'essaie de me réveiller tant bien que mal avec les boissons pour enfants, vous savez. Ça marche pas. Yo tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve comme vous voyez dans le titre pour du House Flipper. Alors le jeu est sorti en version officielle depuis maintenant plusieurs mois. Et la dernière fois que je l'avais testé, vous n'êtes pas sans savoir qu'on était à la bêta. Donc le jeu était encore en anglais, il y avait encore masse truc. Et là le jeu est en français à ce que je vois, alors attention. Ça me gênait pas tant qu'il était en anglais pour le coup, mais on va voir du coup ce que ça va donner avec cette version définitive du jeu. Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses à porter? Et si je vois que c'est fun, qu'il y a des nouveaux trucs, alors là, avec plaisir, je continuerai d'aller dessus. Bienvenue dans la soupe de ce jeu, tu pourras acheter, rénover, d'accord. Parce que vous savez que j'ai une âme de Valérie Damido. Vous n'êtes pas sans savoir, petit Michel, que j'ai une âme de nettoyage aussi. Alors, le jeu par contre, faut... ok. Alors... Oh mais t'as juste à cliquer comme ça? Attends, fallait pas maintenir normalement? Non mais attends, il est temps d'aller voir sur mon ordi. Mais... Ah, c'est chez moi cette merde! Mais attendez, ça me terrifie. C'est chez moi, je vis là? Vous êtes en train de dire que ça c'est mon chez moi? Ah, donc c'est ça la version définitive quand tu vois la gueule du truc? Oh! Merde. Oh merde! Ah bah oui, mais c'était pas... Ah merde! Ah bah oui, mais... Ah bah c'est parti d'un coup, excusez-moi. Ah bah oui, bah merde. Je range un peu... Une tronçonneuse? Mais qu'est-ce que je fous? C'est terrifiant, c'est moi Jason ou comment ça se passe? Mail, Sandra, mon ex est parti avec mon radiateur. Ah bah c'est connu hein. Ah bah c'est connu, quand il y a un divorce, la première chose que l'ex prend, c'est pas l'enfant, c'est pas la bagnole, c'est pas la maison, c'est le radiateur. Ah ça c'est connu hein. Bonjour, je voudrais vous confier à votre entreprise la remise en état de ma maison. Je sais grâce aux photos sur FaceSpam que mon ex, pour se venger, est rentré par effraction chez moi, qu'il a mis le bordel et qu'il a emporté le radiateur. Il est possible qu'il manque encore quelque chose, je vous demande de bien vouloir remettre de l'ordre dans ma maison et de remplacer les équipements manquants. Je vous demanderai aussi de ne pas informer la police de tout ce qu'il s'est passé. Je m'arrangerai directement avec mon ex-ami quand je reviendrai de mon voyage d'affaires. Salutations, Sandra Ziegler. Alors, comment elle va faire pour s'arranger avec son ex, étant donné qu'il a carrément chouré le radiateur, et elle dit de ne pas prévenir la police. Cette histoire pue un peu. Ça sent un peu le mammouth. Félicitations, tu as débloqué un nouvel outil. À partir de maintenant, tu peux nettoyer les salissures en utilisant le balai espagnol. Balai français, italien, espagnol, ok. Balai londonien aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je m'amuse! Bon, balai, ça... Il est incroyable, ce balai! Qu'est-ce que c'est que ce balai? Attendez, sans déconner, dans les commentaires, aidez-moi. C'est vraiment un balai qui existe, ça? Ça existe vraiment comme balai? Je sais pas, il aurait pu aussi nettoyer la baraque avant d'emporter le radiateur, le gars, non? Enfin, je sais pas, c'est un avis personnel, hein, mais... Qu'est-ce que c'est que ce canapé? La gueule du ca... Vous connaissez beaucoup de canapés qui font cette tête-là? Bon, bien évidemment, faut que je me fasse du bénéfice. Je pourrais très bien poser le radiateur et me barrer. Mais ça fait pas de bénéfice, vous vous en doutez bien. Donc du coup, il faut faire du bénéfice. C'est important. Alors, je vais prendre le balai... Ah, attendez. Encore une merde. Il faut prendre le balai espagnol. Et là, on nettoie. Allume la tablette pour choisir comment tu veux utiliser les points capacités que tu viens de gagner. Attention, je vais allumer la tablette. J'allume la tablette. Elle vient de s'allumer. Quelle tablette incroyable. Ranger. Vision perspicace. Tu vois quelques-unes des salissures sur la minimap. Tu vois la plupart des salissures sur la minimap. Tu vois toutes les salissures sur la minimap. Ok. Ranger 25% plus rapidement. 50, 75. Bon balai espagnol. Balai espagnol ultra. non, vous savez ce que je vais mettre dans un premier temps sur la map. Que les traces se foutent sur la map. C'est super ça. Quand il te reste encore une petite zone à laver que tu sais pas regarder. Regardez comment c'est le feu. Non mais sans déconner. Comment les gens font pour être des porasses pareils? Porasses, mot inventé par Kiki. En 1759. Comment les gens font pour être aussi dégueulasses, sans déconner? Voilà! Le chantier finit à 100%. Allez! C'est fini. Attends, c'est pas là? Ah non, terminer la mission. Ah ben non, c'est entré. Ok, naturel. Ouais, j'ai terminé. C'est clean. First money. Ok, ce que j'ai débloqué. Par contre, maintenant que j'ai mon super balai, on peut passer un coup là? Ah... Porte, c'est pas encore ça, Michel. Hein. Soit j'économise ma thune. Attendez, je vais nettoyer un peu mon chez-moi aussi, parce que c'est dégueulasse. J'habite dans un endroit qui est complètement dégueulasse. Il y a des limites, merde, à la fin. Oh là là. Oh, mais ça, c'est chez moi, d'accord. Alors, soit mon personnage pisse au plafond,
Soit je sais pas comment ça se passe. C'est complètement dégueulasse. Oh. Est-ce que je peux refaire... C'est très con. Est-ce que je peux genre faire de la peinture et tout? Amélioration. Magasin. Je peux faire de la peinture? Ça serait incroyable. Ah ben non. Je peux pas... Oh, Garden DLC bientôt disponible. Mais c'est super. Je peux pas encore du coup. Ah, c'est dommage. Parce que là, si je puis me permettre, quand tu vois l'état du bordel, ça mérite quand même quelques petits changements. Hein. J'ai combien de thunes? Eh, 30 000 de thunes! Je peux faire un truc de ouf. Je peux même acheter une nouvelle baraque, ça se trouve. Bon, alors attendez, vous savez quoi? On va faire directement un nouveau chantier. Peut-être que... Mail. Alors, on a Caroline, nettoyage du garage, et Jacques. Si je dois payer pour quelque chose, soit je suis pleinement satisfait, soit je ne paye pas. L'hiver arrive. Les hivers sont rudes dans ma maison. Il n'y a pas de radiateur. Installe-en. Alors déjà, tu ne parles pas comme ça. Et de deux, on n'est pas à Westeros. L'autre, il est là. C'est Jon Snow, le mec. Ah bah voilà, bonjour, bonjour, ma belle femme est enceinte et nous sommes débordés, comme jamais. Moi aussi très heureux. Je ne sais plus moi-même par quoi commencer. Il y a tellement de choses qu'il faudrait faire avant la venue au monde de ma petite princesse. On est déjà sûr que c'est une fille. On a acheté une petite maison très jolie pour nous trois. Malheureusement, il faut la nettoyer de fond en comble. Il faut préparer une chambre d'enfant. Je compte sur toi pour t'occuper de remettre cette maison en ordre et de préparer une chambre d'enfant. D'acheter un lit, une table à langer, peut-être quelques jouets. Je m'en remets à toi et n'oublie pas de repeindre les murs de la chambre de notre princesse en rose clair. Merci d'avance pour ton aide, cordialement, Marc Savon. Heureux papa d'ici peu. D'accord, eh ben c'est encore une mission pour Super Kiki. Et oui, Michel, c'est encore une mission pour Super Kiki. Ok, j'ai débloqué un nouvel outil. Le pot de peinture. Oh non. Non mais attends, alors, juste avant de commencer, normalement, quand on part d'un appartement, on appelle ça, il y a un bail. Et il y a un état des lieux à faire. Et là, je pense que les gens ont pas récupéré leur caution, si je puis me permettre. Hein. Je crois pas qu'ils aient récupéré la caution, là. C'est qu'un avis personnel, hein, mais quand tu vois ça, je crois pas qu'ils aient récupéré le truc. Hein. Oh, on va partir de tellement loin. Donc, on doit nettoyer les fenêtres. C'est parti. Attention, on va essayer de passer hyper vite. Essayer de pas perdre trop de temps dessus. Oh, la rapidité. Si seulement je pouvais faire mes fenêtres aussi rapides, ce serait super. Je pense qu'on serait bien propre, là. Ok, nickel. Ensuite, on avait une autre fenêtre à nettoyer. Bam, ici. Bon, en fait, c'est trop bizarre. T'es décorateur d'intérieur et puis en même temps, tu fais nettoyage extrême, quoi. Donc, c'est vraiment... Tu fais vraiment tous les métiers. Hein. Je pense que là, c'est bon. Voilà. C'est nickel. Ensuite, prendre avec les couleurs rose pastel. Ah oui, c'est vrai, la couleur rose pastel. Vise l'objet. Ah mais oui, mais c'est ça, c'est vrai, on peut vendre ces conneries. Rose pastel. C'est parti Michel, on y va. On avait dit tab. Et magasin. Peinture. Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va pas s'emmerder. Rose pastel. Voilà, on s'emmerde même plus hein. Acheter maintenant. Ça c'est rose pastel. Ah, quand tu vois le pot t'as l'impression qu'il a périmé. Vos points de compétences disponibles. Allez, c'est quoi? Tu ne gaspilleras pas de peinture sur un mur déjà peint. Ah, ça c'est bien. Réduit la consommation de peinture de 20%. Tu peins 25% plus vite. Peins deux murs en même temps. Non, je vais faire ça. Le deux murs en même temps est pas mal, mais tu bouffes toujours autant de peinture, quoi. Voilà, comme ça, au moins, je gaspille pas plus de peinture. C'est très très bien, ça me va très bien. Voilà, comme ça, je peux rester au cas où appuyé sans gâcher de la peinture supplémentaire. Est-ce qu'on voit que je m'y connais niveau peinture, Michel? Est-ce que ça se voit? Je pense que oui. Donc ensuite, placer l'objet lit d'enfant. Ah bah c'est parti, hop, on y va. Hop, on va repasser. Voilà. Merde, il y a lit enfant épicéa et lit enfant classique. Ah bah c'est ma Kallax. C'est à moi ça, c'est la même, c'est celle qui est dans mon décor. Eh on la connaît Michel, tu me la fais pas à moi, on la connaît. On la connaît la petite bibliothèque. Elle sert pas mal. Mais c'est moche hein, comment je suis en train d'agencer ça, c'est dégueulasse. Mais déjà, il n'y a rien qui est droit, j'ai l'impression, je sais pas. C'est un effet d'optique? Non, c'est pas un effet d'optique. Hein. C'est pas droit le bordel, mais bon. Meuble allongé. Oh là, je suis en train de mettre ça n'importe comment. Mais il se démerde après, hein. Il place, c'est bon, faut pas déconner. Mais rien n'est droit, quoi, ça me perturbe. Nettoyer les salissures. Ah non, je suis bon là. T'as pas le droit, ça. De la merde, hein. C'est bon. Hop, c'est marre.
T'as réalisé le chantier à 99%. Bah ouais, bah oui, bah terminé. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où se situe. Je ne peux pas m'endormir avec une télé dans la chambre. Ah bah moi, je peux. Je peux te dire, moi, c'est pas dérangeant. Je me pose une question par rapport au sol. Est-ce que je peux changer, moi, le... mon truc? Genre me mettre un beau petit parquet, un petit truc bien propre. On va voir. Ah mais si, je peux. Ah mais je peux de ouf. Ah mais c'est déjà ce que... Ah c'est déjà ce que j'avais. Merde. Ah d'accord. Bah voilà. C'est quand on voit l'état du bordel. On vend même les cuillères et tout, rien à foutre. Bah voilà, alors attendez avant de se laisser là. On va nettoyer 2-3 trucs. Hein. On va nettoyer 2-3 trucs, ça va être important, vous allez voir. Alors, on va faire un truc un peu stylé parce que là, sans déconner, merde. Achat multiple, ah oui. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah mais je pense que j'ai pas ce qu'il faut en fait. Bon bah on va laisser ça là, en attendant. What the fuck? Ok, très étrange. On va repeindre en attendant alors. Au moins, ça ressemblera à quelque chose. Nouveau point disponible. C'est super, ça. Alors, nouveau point disponible. Réduit la consommation de peinture de 20%. Ça, c'est top. Tu peins 25% plus vite. Peins deux murs en même... Allez, deux murs. Soyons fous. On se fait deux murs. Allez, on est comme ça. Bon, ça va bouffer beaucoup plus de peinture, je pense. Hein, mais... Ah oui, non, ok, d'accord. Il faut que je me mette comme ça pour peindre deux murs à la fois. Voilà. Bon bah voilà. Là c'est tout propre. Là on va peut-être peindre en blanc. Par contre la porte, est-ce qu'on peut la vendre? La meuf elle veut tout vendre. Ah, on peut vendre la porte effectivement. C'est super. C'est super, c'est une bonne nouvelle. Le tapis, parce qu'on est des malpolis, il n'y a pas de welcome. Salut. La meuf hyper malpolie quoi. Hop, ça on va clean. Par contre est-ce qu'on peut nettoyer la tâche? Ah ouais, on a pu nettoyer la tâche au plafond. C'est trop satisfaisant, je trouve, ce jeu. J'aime trop, il y a trop une sensation de satisfaction quand t'as tout fini de peindre, tu sais. Genre en mode, ça y est, c'est bien beau maintenant. Je sais, il me faut pas grand-chose, mais... Mais c'est comme ça, que voulez-vous? C'est beau. Ah ben voilà. Ça a quand même plus de gueule, c'est déjà plus propre. On a déjà envie de rentrer chez moi maintenant. Alors précédemment, hein, c'était pas... Ouf. Alors, ça c'est bon, c'est propre. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, si, le plafond, là. C'est dégueulasse. Les trucs au plafond, horrible. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'elle est complètement dégueulasse, cette porte? Ah, bah voilà. Ensuite, le carrelage. Bah du coup, le carrelage, on s'est un petit peu fait avoir. Hein. Sur le sol, on va placer du sol... Ah, ça c'est joli. Mais c'est comme... Là, je pense que je peux pas... Pourquoi je peux pas? Je crois qu'en fait c'est que j'ai... Ah bah si, je pouvais le placer. Mais c'est moche en fait, j'aurais à me dire. Je sais pas, ça fait bizarre. Nouveau point de compétence disponible. Montage 20% plus rapide. Plâtrage. Pose de carreaux et de lames de parquet 20% plus rapide. Waouh, les super toilettes. Moi, je veux juste des toilettes classiques. Hein, pas besoin de s'emmerder. Allez, celle-là. Standard, compact. Ah, s'il y en a, elles sont sacrément moches, quand même. Alors, ce sera déjà moins moche. Eux, pour installer. Attention! Faut mettre les boulons! Waouh! Je pose. Et donc, c'était aussi facile. Waouh! C'est moi qui l'ai mis. Eh ouais, mon petit Michel. Ensuite, là, salle de bain. On y retourne. Une belle douche. Ça, c'est très bien, ça. Voilà. Allez, on l'installe. On pose. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est ça, pardon. Ok, c'est les quatre coins. Il faut qu'on mette les fixations. Hein. Important. Les fixations, on ne les oublie pas. Hop, c'est bon. On pose. C'est magnifique. C'est de toute beauté. On y va, hop. Alors dis donc, il y en a de la fixation, hein.
Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Les pieds? Ah, là. Ok. On pose, il va falloir mettre le bac. A few moments later. Eh ben voilà. C'est-y pas beau tout ça? C'est-y pas beau, expression de vieux. Et ben voilà. Mais il y a que le carreau de carrelage là pour le moment, je peux pas encore le faire et moi je veux des carreaux de carrelage. Donc pour le moment, c'est très moche, mais j'ai pas d'autre moyen de le faire. Si quelqu'un sait comment faire le coup du carreau de carrelage, avec plaisir hein, parce que là pour le moment, ouais, j'avoue, c'est pas beau, c'est pas très beau. Et on va mettre une porte. Ça fait 10 fois que je fais que de répéter genre et on termine, pas du tout. On va mettre en acajou. Je m'y connais pas. On va mettre de l'acajou. Ah non. On va mettre ça. Je sais pas. Ça, bureau. Allez, hop, on achète. C'est marre. Bon, on va le mettre là. Je pense que ça sera très bien. Hop. On peut pas le poser. Ah, bah si. Parce que je me disais, merde. Voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal, là. On est pas mal. Ensuite, on va partir sur une chaise. Je pense qu'on sera nickel. Chaise. Hop, qu'est-ce qu'elle est vilaine, mais c'est pas grave. Hop, bah voilà. Il y a quand même plus de gueule, hein. Ça ressemble à quelque chose quand même. On va partir sur... on va pas changer. Putain, je sais pas du tout si je suis centrée ou quoi. Ah, ça a de la gueule. Tac, ici on va mettre un petit lampadaire. Petit lampadaire, bien sympathique. Ils sont tous moches, mais bon. On va faire avec. On va mettre ça. Ça, on va le mettre en noir. L'abat-jour, le pilier. Métal doré, ça peut être sympa. Genre, si tu places ça là. Ben voilà. Bah, dis donc. Bon les amis, on va sérieusement s'arrêter là pour cette vidéo parce que là, je ne m'arrête plus. Je ne m'arrête plus, je suis en full décoration. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis bien fière de moi. J'ai bien avancé pour le coup et c'est fort sympathique. Je suis bien contente pour le coup, donc voilà. Donc les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous répète deux fois, c'est flippant. On dirait Dory. Attends, je vous fais à tous des très très gros bisous. Je vous dis à demain, je crois, ou après-demain. On verra bien pour une nouvelle vidéo sur la chaîne principale. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter. C'est là où je poste à chaque fois le maximum d'informations. Et ce soir, à partir de 21h pour la suite et fin. J'ai cru qu'en fait, on était à la fin de The Division et finalement, il a fallu Pex encore. Donc ce soir, ce sera normalement la fin définitive de la trame principale de The Division. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à demain ou un autre jour pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.